Alors, on vient d'enregistrer un programme dédié aux airs du cours français avec Christina Pluhart et son ensemble Arpeggiata. Et c'est un projet qui est né dans l'idée qu'on voulait un petit peu fêter nos 20 ans de collaboration déjà ensemble. J'ai énormément de souvenirs avec Christina depuis le disque Monteverdi, puis beaucoup d'autres après. Mais on s'était dit quel projet, quelle musique on n'a pas encore abordé. Et c'est vrai que on dit souvent que Christina a une âme italienne, mais elle a aussi une âme française parce qu'elle vit depuis 30 ans en France et elle connaît très bien ce répertoire. Et moi, je ne l'avais pas encore abordé au disque. Et puis, le choix des œuvres s'est fait évidemment en fonction du goût aussi de Christina Pluhart et de son idée qui était aussi de laisser une grande part, comme elle fait beaucoup dans ses enregistrements, à l'improvisation de ses musiciens. Donc il y a aussi beaucoup de basses obstinées et il y a beaucoup de folie, d'où le titre également de cet album, parce que c'est vraiment aussi de la musique française qui est inspirée de la musique italienne, voire de la musique espagnole, et on a même dans l'album des pièces qui ne sont pas chantées en français, mais qui sont chantées en italien et en espagnol. Le titre du disque sera la Passacaille de la folie, qui est une œuvre de Bailly. Io soy la locura, je suis la folle. C'est un langage qui est basé sur un rapport très pur au texte, je dirais, dénué de toute suraffectation, une grande liberté aussi de rubato sur le rythme que peut proposer la basse et un son assez pur. Je sais qu'elle aime beaucoup ça. Et voilà, donc je vais dans ce sens-là quand je travaille avec elle. Et je trouve que ça fait un mariage souvent très intéressant parce que j'ai l'impression finalement de ne plus être forcément une voix, mais un instrument aussi parmi les autres instruments de l'arpeggiata. Et je crois que ce qui compte, et je pense que ce qui nous relie, Christina et moi, c'est de s'adresser à un public du 21e siècle, tout en ayant évidemment la connaissance du style de l'époque. Donc c'est ce mariage-là qu'on essaye en permanence de faire. Il y a toujours une dimension, je dirais, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit quand j'évoque le travail avec Christina Pluhart et l'arpeggiata, c'est l'improvisation, évidemment, et aussi la fête. C'est toujours une fête. Et puis un troisième mot qui me vient à l'esprit, il y a un côté sacré. Je trouve qu'il y a un rituel. Chaque concert est une sorte de rituel presque chamanique chez Christina. Et ça transparaît vraiment. Je la tiens.
de la tienne.